Merci, Monsieur le ministre, d'avoir bien voulu accepter notre invitation à l'issue de ces QAG pour échanger avec les membres de la mission d'information sur la gestion durable de l'eau. Nous travaillons depuis le mois de février et nous allons rendre notre rapport donc le 11 juillet prochain. Cette mission a été lancée au Sénat en février à la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain, et tous les groupes politiques y sont représentés, afin de garantir évidemment une approche transpartisane du sujet, comme on le fait habituellement au Sénat. L'enjeu n'est pas seulement de réfléchir à la gestion des crises, celles-ci étant de plus en plus nombreuses et fréquentes, comme on l'a vu en 2022, puis cette année, 2023, même si on a quelques épisodes pluvieux, les nappes ne sont toujours pas remontées au niveau. Nous mobilisons pour analyser l'architecture générale de la politique de l'eau en France, ses aspects quantitatifs et qualitatifs, et puis les menaces à long terme que fait peser le changement climatique, et envisager des solutions pour éviter d'être pris de court. Le président de la République a annoncé il y a 2 mois un plan eau avec 53 mesures qui promeut la sobriété, prévoit des dispositions financières et un renforcement de la gouvernance de l'eau. Ce plan a été globalement bien accueilli par les acteurs et les experts du domaine, même si certains trouvent qu'il est trop faible sur le plan financier. Il reste à passer maintenant à la phase de mise en œuvre. Et nous avons voulu vous entendre avant de terminer nos travaux pour échanger sur le plan eau, sa déclinaison, mais aussi sur l'opportunité de construire de nouvelles retenues à usage agricole ou encore de mieux protéger la ressource de nouveaux polluants. Alors, nos échanges pourraient se dérouler de la manière suivante, si vous le permettez. Nous vous laissons un temps de présentation générale de 10 à 15 minutes, puis ensuite nous passerons aux questions des membres de la mission. Mais avant de vous laisser la parole, Monsieur le ministre, je vais la donner à notre rapporteur de la mission, notre collègue sénateur de la Gironde, Hervé Gillet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre présence et votre disponibilité que nous apprécions à l'issue, effectivement, de nos travaux. Nous souhaitions donc avoir ce temps d'échange, puisque, comme l'indiquait Rémi, nous allons rendre ce rapport dans les prochains jours. Donc, le plan eau fixe une feuille de route pour aller vers plus de sobriété, moins de conflictualité dans la gestion de l'eau. Et nous sommes allés sur le terrain et nous avons pu vérifier qu'effectivement, certaines situations méritaient une attention particulière. Alors, ce sujet, jusqu'à maintenant, était un sujet parfois d'initié. Il restait dans un cénacle particulier. Mais aujourd'hui, l'eau a jailli au centre des controverses depuis quelques mois et a donc renforcé son ancrage politique, et c'est tant mieux, mais avec la crainte de ne pas avoir suffisamment pris la mesure des bouleversements qui nous attendent et sur lesquels vous êtes régulièrement intervenus. Les conflits liés à l'eau se multiplient. Les craintes de pénurie se concrétisent dans certains territoires avec des mesures de restriction qui deviennent quasi permanentes avec la sécheresse hivernale que nous avons pu connaître. Alors que faire? Comment agir? Le rapport sur le retour d'expérience de la sécheresse 2022 recommande davantage anticiper, de donner un cadre d'action plus homogène aux préfets et services de l'État, mais tout en permettant quand même une différenciation territoriale qui est nécessaire. Il a donc abouti à l'édition d'un nouveau guide, nous l'avons étudié avec précision. Une politique de l'eau durable et résiliente ne se résume pas à la gestion de crise, nous le savons, il faut aussi des réponses donc structurelles. Alors nous attendons que vous nous reprécisiez les mesures que vous envisagez pour mieux retourner l'eau naturellement dans nos sols et dans nos sous-sols. Première préoccupation, faut-il davantage protéger les zones humides? Et notre rapport fera sans doute des préconisations, notamment en termes de documents d'urbanisme sur le sujet. À quelles conditions peut-on retenir l'eau quand elle est abondante pour mieux l'utiliser? Derrière ces questions, il y a celle des retenues à usage agricole, mais aussi la relance éventuelle d'une politique de retenue multi-usage, puisqu'on voit bien que cette approche est absolument essentielle aujourd'hui.
Comment faire face aux nouveaux polluants et aux polluants anciens, mais persistants dans l'environnement ? Doit-on aller vers un renforcement des normes de rejet, voire des interdictions ? Et du coup, ça réinterroge le nombre de zones de captage prioritaires aujourd'hui et qu'il faudra nécessairement élargir et qui pose la question des services rendus environnementaux. Comment améliorer les services d'eau et d'assainissement ? N'a-t-on pas trop réduit les aides financières dont peuvent bénéficier les collectivités gestionnaires de ces services pour lutter contre les fuites ou mettre aux normes les stations d'épuration ? Le plan eau fait des propositions, mais partielles pour l'instant. Donc il faut regarder peut-être comment avancer d'une manière plus significative. Le chantier de la tarification progressive, la tarification sociale de l'eau, vous l'avez posé également au niveau du plan eau, avec des travaux qui pourraient être confiés au CESE et au Parlement pour avancer sur ces sujets-là. Et on voit bien l'intérêt d'avoir aussi un groupe de travail national pour avancer ensemble, car le sujet est complexe et normatif et législatif vraisemblablement. L'absence de visibilité sur les concessions hydroélectriques peut nuire également à la bonne gestion multi-usage des retenues, de montagne notamment. Et sur certains bassins, c'est une question importante, notamment celui qui me concerne particulièrement à Dour-Garonne. Et enfin, les PTGE semblent constituer l'instrument privilégié de concertation sur les territoires. Nous partageons bien sûr cette vision. Êtes-vous satisfait aujourd'hui de leur avancement ? Quelle expérience vous retirez ? Nous voyons bien que quand les PTGE ne sont pas bien plantés ou implantés au démarrage, qu'ils ne réussissent pas les conditions en amont, bien souvent, ils posent un certain nombre de questions. Mais d'ores et déjà, il y a donc des situations et des retours d'expérience qui doivent alimenter les réflexions que vous avez pu avoir au niveau du plan eau. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse donc vous exprimer comme le président vous en a fait la proposition, monsieur le ministre. Monsieur le président Pointreau, monsieur le rapporteur Gillet, mesdames et messieurs les sénateurs, j'ai bien envie de sauter l'introduction. Vu le nombre de questions que vous m'avez déjà posées et le fait que j'avais cru comprendre que ce serait un échange court et qui se concentrerait sur un certain nombre de points, si je pars sur l'intro, je vais ou épuiser une partie des questions que vous me posez ou taper à côté en vous racontant des choses que vous savez déjà et qui n'ont pas un intérêt immense pour la mission d'information. Je vais donc peut-être juste me contenter d'expliquer d'où vient le plan eau en deux minutes pour respecter formellement l'exercice et puis après on ira sur tous les sujets et ils sont nombreux. Et ils n'ont pas tous été épuisés par la présentation. Et de ce point de vue, vos questions sont pertinentes et je considère que cette audition, elle peut être une façon d'aller compléter ce qui a été présenté le 30 mars. Il n'y a pas rien eu avant. Il y a eu le Varenne de l'eau, il y a eu des assises, mais si on se dit les choses, on a fait entrer dans l'atmosphère cette question de l'eau, mais on n'a pas été au bout de la logique. Et on a annoncé des principes sans entrer sur les modalités qui permettraient de les tenir. Le plus important, c'est qu'on a par exemple dit qu'il faudrait qu'on fasse preuve de sobriété. Mais au lieu d'en faire un objectif territorialisé et de commencer à poser la question des moyens sur comment on faisait, on est resté sur des orientations plus qu'on est d'ores et déjà entré dans le détail. Et l'année 2022, elle a joué, je pense, un rôle de révélateur à bien des égards. Elle vient pas de nulle part. Nous avons connu dans cette année-là un mois de juillet qui a été déficitaire à hauteur de 88%, le plus sec jamais enregistré, et qui est venu accentuer des déficits d'eau qui n'étaient pas hyper visibles au début de l'année 2022. Mais qui, du coup, se sont traduits par cette situation unique. 93 départements dans lesquels il y a eu des arrêtés qui ont été pris et 75 dans lesquels, à la fin, seule l'eau potable était autorisée. Des chiffres dont on n'avait pas l'habitude. Plus de 700 communes privées d'eau potable à un moment ou à un autre. Et dans ce chiffre des 700... un peu moins de 400 qui ont été ravitaillés par citerne et près de 180 qui l'ont été par bouteille. Ces éléments-là, conjugués au fait que nous avons des statistiques persistantes qui ne sont pas glorieuses, avec seulement 44% des masses d'eau qui sont en bon état écologique, montrent que sur la quantité, on a un sujet et sur la qualité, on a un sujet. Dès la fin de l'été, on a à la fois lancé un travail avec tout le monde, sous l'égide du Conseil national de l'eau, en travaillant beaucoup avec les comités de bassin, et vous avez bien voulu, monsieur le président Pointreau, dire que le rapport avait été accueilli favorablement. Il a été accueilli favorablement par ceux qui, en grande partie, avaient contribué à l'écrire. Mes services, moi-même, on a été, j'allais dire, les synthétiseurs des remarques et ceux qui ont obtenu les arbitrages qui nous ont permis de faire en sorte qu'il y ait 53 mesures à la fin qui permettent d'adresser à peu près tous ces différents éléments. Avec trois grands objectifs.
dire qu'il n'y a pas d'alternative à une forme de sobriété et qu'il y a forcément des usages qu'il faut être capable de bouger. Deux, qu'on a une telle culture de l'abondance que nous gaspillons une eau qui est autour de nous et dont nous devrions optimiser l'utilisation. C'est les eaux usées, c'est l'eau grise, c'est la lutte contre les fuites. Trois, regarder en face le problème de la qualité. Ça n'est pas normal qu'on ait autant de secteurs dans lesquels nous n'ayons pas de plan de gestion. Pour prendre un exemple, sur les captages, etc. Et il nous faut des mesures, et des mesures qui permettent d'aller accompagner des agriculteurs. Et quatre, quel budget, quelle gouvernance, et sortons de l'infantilisation vis-à-vis des agences qui consiste en gros à ce qu'on ait des plafonds mordants pour les dépenses, des plafonds pour les recettes, une difficulté à agir, alors qu'on prétend qu'il s'agit d'un sujet de compétence locale. Tout à la fin, le 30 mars, un assouplissement sur les modes de gestion pour que l'intercommunalité ne soit pas le seul et unique horizon de la gestion, mais qu'on puisse tenir compte de réalités topographiques, et vous avez le plan. Et maintenant, toutes les questions que vous posez, qui sont légitimes et auxquelles je préfère répondre de manière plus directe qu'en vous lisant des fiches qui reprennent quelques éléments sur la genèse et sur tout ça, si ça vous convient. Bien, alors, est-ce que tu poses quelques questions? Après, nos collègues poseront une série de questions. Donc, une série de questions, monsieur le ministre répond. Et puis ensuite, on passera la parole aussi à nos collègues. Très bien. Alors, on va aller un peu plus dans le détail et sur des questions qui ont remonté aussi au travers donc de nos auditions et de nos visites de terrain. Vous abordiez justement la question de la sobriété, donc l'objectif des 10% qui a été donc indiqué dans le cadre du plan eau. Est-ce que vous pourriez nous repréciser au niveau du secteur agricole, globalement, quels sont vos objectifs? Parce qu'on sent quand même qu'il y a un positionnement parfois différencié avec le ministre de l'Agriculture. Donc, on aurait besoin quand même d'une clarification sur ces sujets-là. Nous vous parlions également au niveau des zones humides et le fait d'améliorer la qualité des sols et de voir de quelle manière cette perméabilisation des sols peut s'inscrire d'une manière durable. Alors bien sûr, c'est au travers des pratiques, mais derrière les pratiques, il y aura peut-être aussi des évolutions à négocier dans le cadre de la PAC. Mais il y a des pistes de travail qui émergent aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément reprises d'une manière forte dans les propositions que vous avez pu faire, sur l'inscription dans les documents d'urbanisme, d'une manière plus stratégique, la gestion de l'eau et notamment la gestion du pluvial, qui souvent n'est pas gérée d'une manière très stratégique dans les territoires. Qu'en pensez-vous? Quel type de proposition éventuellement vous pourriez faire? Ou est-ce que vous nous accompagneriez justement sur le renforcement qu'on pourrait prévoir dans les documents d'urbanisme aujourd'hui? Un chantier qui est important et qui a été placé, qui a été mis sur la table suite à votre volonté, c'est bien sûr la révision des redevances aujourd'hui. Donc il y a eu des travaux, où en sont donc ces travaux? Est-ce que vous êtes déjà en situation d'arbitrage par rapport à ces sujets, qui sont des sujets fondamentaux aujourd'hui pour accompagner la politique des moyens, et surtout voir derrière cette politique des moyens comment elle va être mise en œuvre au niveau de l'échéancier par rapport au nouveau plan des agences qui sont prévues donc en 2024? Est-ce qu'on sera au rendez-vous pour pouvoir accompagner les mesures les plus fortes, notamment au niveau de votre plan? Donc je m'arrêterai tout d'abord sur ces... Monsieur le ministre. Très bien. Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Et il faut le dire avec beaucoup de force. Et il faut arrêter de penser qu'un usage agricole est un accaparement. Personne ne conteste le fait qu'on a besoin d'eau pour boire. Personne ne devrait contester qu'on a besoin d'eau pour se nourrir. Et donc il faut faire en sorte de ne pas avoir des usages qui génèrent un gaspillage. Mais on ne peut pas incriminer, avoir une vision qui soit trop basique sur ces sujets. Quand j'ai dit ça, j'ai presque résumé ce qui est censé être le chemin de crête. Et donc, je vais prendre un tout petit pas de côté. Ça me resservira peut-être un peu plus tard quand on discutera des retenues, si vous l'évoquez, pour savoir si c'est la solution ou une des solutions. En gros, ce que disent les experts, et c'est l'avantage d'avoir découvert le sujet, c'est que j'ai été obligé de poser des questions bêtes qui me permettent parfois d'expliquer les choses à d'autres qui les connaissent mieux que moi, mais qui au moins me permettent de le faire d'une manière simple. On a 500 milliards de mètres cubes d'eau qui nous tombent sur la tête en France. Et on en aura, a priori, à peu près autant dans les années qui viennent. La seule chose, c'est que là où aujourd'hui, quand la partie qui part dans l'évapotranspiration ou qui est absorbée par les plantes nous en laisse 160 qui sont disponibles, je ne me battrai pas avec le président Pointreau sur ce sujet, je mesure déjà l'imprudence qui est la mienne d'aller sur le thème,
mettons entre 160 et 200, on en a à la fin 33 qu'on prélève et 5 qu'on consomme. Le problème, c'est que c'est ce 160 ou ce 200 qui va baisser. Parce qu'avec l'augmentation moyenne de la température, une part n'arrivera plus dans nos cours d'eau, une part trouvera une végétation qui aura davantage poussé et fera en sorte qu'on en a moins. Donc, ce n'est pas un problème d'alternance politique ou de couleur politique du gouvernement de considérer qu'on aura moins d'eau prélevable. Et cette réalité, elle vaudra pour tous les acteurs, y compris pour les agriculteurs. Quand j'ai posé ce contexte, il n'y a donc aucun modèle dans lequel, à la fin, il n'y a pas, à tout le moins, une sobriété à l'hectare. On peut discuter de la part d'eau qu'on réserve à l'agriculture au global, mais il n'y a pas de schéma sur le fait que nous ne pourrons pas conserver le même niveau sans sobriété sur les différents territoires. On a des réserves, fantastiques, sans mauvais jeu de mots. 8% seulement de nos espaces agricoles sont irrités en goutte à goutte pour ceux qu'ils sont. Et de manière plus large, il va de soi que l'augmentation des températures, indépendamment de toute loi, elle provoquera des évolutions sur les pratiques. J'attends les chiffres, mais pour avoir discuté avec le président de l'association des chambres d'agriculture, il me dit qu'il y a déjà, depuis l'été 2022, des milliers d'exploitations qui ont fait évoluer leurs pratiques en anticipant le fait qu'il y aurait à nouveau des difficultés. Donc, dans ce schéma global, on voit bien qu'on a besoin de toute façon de regarder comment on est capable de tenir mieux compte et des sols et du climat par rapport à ce que nous faisons pousser, et d'autre part, de faire évoluer nos modèles vers plus de sobriété à l'hectare. Faisons attention à éviter les raccourcis. On se focalise sur les cultures qui sont gourmandes en eau l'été, puisque c'est le moment où on a la conflictualité sur les usages. Mais ce ne sont pas nécessairement ce que nous faisons pousser l'été qui consomme le plus d'eau. On a des cultures d'hiver, mais dans des moments où pour le moment les pluies sont abondantes, qui n'engendrent pas de difficultés. Si on devrait avoir des sécheresses hivernales à répétition ou des difficultés de ce type, le regard qu'on porterait, y compris sur certains types de cultures, pourrait ne plus être le même. D'autre part, cette eau, elle ne profite pas seulement à ce qui se produit, elle profite à la biodiversité. Parce que quand vous arrosez des espaces pendant l'été, vous ne permettez pas seulement aux cultures de pousser, vous permettez à la vie abritée par ces cultures de pouvoir elle-même se poursuivre à un titre ou à un autre. Donc, il faut qu'on donne un chemin qui sécurise l'agriculture parce que c'est ce qui permet de nous nourrir. Ce chemin passe nécessairement par de la sobriété, mais il passe aussi par des investissements. Et dans ces investissements, il y a ce goutte à goutte où il y a le suivi de ce qui peut être approprié. Je propose de ne pas aller beaucoup plus loin à ce stade, je peux rentrer dans le détail. Une partie du plan prévoit des dispositifs de soutien, notamment à ce type de pratiques et d'évolution. Vous avez évoqué la question des captages. Parce que tout est lié. Dans les usages agricoles, sur la qualité des eaux, moins d'eau en moyenne dans les cours d'eau, avec un niveau de résidus constant, ça voudra dire sans aucune évolution de la législation, des remontées de taux par rapport à l'eau disponible qui engendreront des fermetures de captage à droit constant. Donc, dans ce domaine, et ça n'est pas une prédiction, c'est une anticipation qui me semble assez inéluctable. Notre engagement, c'est celui de doter chaque plan de captage de ce qu'on appelle un PGSE qui permet précisément au préfet de pouvoir déterminer le seuil de déclenchement à partir duquel nous faisons en sorte d'éviter de continuer à aller capter là où il y aurait un risque décelable pour la santé humaine. Et ça renvoie à une autre question, c'est comment on évite d'avoir trop de services d'eau qui ne dépendent que d'un seul point de captage. Ce qui est peut-être une façon moins polémique de poser la question de est-ce qu'une commune isolée a le droit de gérer son système d'eau toute seule. Mais à la fin, ça revient à ça. Que ce soit pour la disponibilité en eau potable ou pour la qualité, on n'a pas intérêt à avoir des services qui ne dépendent que d'un seul point de captage parce que ça entraîne un niveau de fragilité qui est l'inverse de tous les dispositifs de sécurisation ou d'interconnexion que nous poussons. Je n'arrive pas à me relire. Si, pluvial, pardon. C'est le deuxième mot que j'ai écrit puisque je crois que c'est là-dessus que vous m'avez interrogé. Tout est lié. Il n'y a pas de meilleure retenue, il n'y a pas de meilleure bassine que nos nappes phréatiques. Et donc, dit autrement, la volonté exprimée ici par le Sénat de dire qu'il fallait répartir différemment la consommation foncière dans le cadre du ZAN, mais ne pas remettre en cause l'objectif, il est une contribution à la restauration d'un grand cycle de l'eau qui soit vertueux. Lutter contre l'artificialisation, c'est préserver la capacité de nos terres de pouvoir jouer ce rôle d'éponge, de pouvoir stocker dans nos nappes phréatiques de l'eau dont ensuite on a besoin, qui ne s'évapore pas avec les mêmes coefficients que si ça se fait en surface, et qui nous permet donc de lutter contre ça. Le début d'une politique fluviale ambitieuse,
c'est celle qui consiste à se préoccuper de la limitation de l'artificialisation qui accélère les écoulements et qui bouge les nappes. Après, à la différence de d'autres politiques du cycle de l'eau, reconnaissons que ce n'est pas aujourd'hui sur les eaux pluviales que notre pays est le mieux armé. La culture de l'abondance dont je parlais, elle nous a conduit à écarter les usages de l'eau pluviale pour un certain nombre d'usages domestiques. Et quand je parlais rapidement des sources d'optimisation, très clairement, il y a la question de la réutilisation des eaux usées, sur laquelle je ne vais pas revenir et qui, je pense, fait une partie de l'unanimité, avec une subtilité, c'est qu'elle est particulièrement efficace en littoral, si ça consiste à ne pas la rejeter dans la mer. À l'intérieur des terres, une partie de ces eaux usées, on est content de les rejeter dans le milieu parce qu'elles servent à d'autres usages tout au long, ensuite, des cours d'eau. En revanche, à l'intérieur des terres, le fait d'aller regarder comment de l'eau de pluie peut alimenter des toilettes pour éviter que ce soit de l'eau potable ou comment des eaux grises qui sont issues des machines peuvent elles aussi assurer ce rôle, ça semble être assez logique, y compris pour l'énergie qu'on économise, ça évite de la potabiliser, sur l'économie de ressources tout court que ça génère et sur le fait que ça s'inscrit dans un cycle qui ne change rien au fait qu'ensuite elle passera dans d'autres canaux. Donc on a des axes évidents d'amélioration. Ce plan, ce ne sera pas le dernier sur l'eau. Il est sans doute par son ampleur. Il fait date par rapport aux décisions précédentes qui avaient pu être prises et par le fait qu'il essaye de s'adresser à la totalité ou à beaucoup de secteurs. Mais ça fait partie des volets sur lesquels nous aurons sans doute des axes encore sur lesquels les choses devront être améliorées. Et la généralisation des GEMAPI est-elle là aussi récente. On est dans une prise de compétence des collectivités, mais qui va nécessiter de continuer à s'affiner au fur et à mesure du temps. Sur la redevance, on a un avis du Conseil national de l'eau, me semble-t-il, du 5 mai, qui propose de faire évoluer les dispositifs. Je parle sous votre contrôle et je vois, toujours sous votre contrôle, la semaine prochaine, tous les présidents de comités de bassin. Donc vous êtes quelques jours avant que je partage avec eux ce que pourraient être les évolutions telles qu'on les envisage et qu'on les mette en œuvre. Bien sûr, je n'ai aucun doute. Je sais à quel point un secret partagé par plus de deux personnes est déjà naturellement un secret et je sais à quel point cette audition qui ne débouchera sur aucun rapport public restera complètement entre nous. Je me propose, si vous en êtes d'accord, peut-être de vous faire passer une contribution écrite qui serait postérieure à ma rencontre avec les présidents de comités de bassin pour que vous ne fassiez pas l'impasse sur le sujet, mais qui me permette de ne pas me placer dans une situation où ils entreraient dans la salle en ayant le sentiment que je vous ai partagé des décisions qui seraient prises par rapport à des recommandations qui m'ont été faites. Si ça vous convient. Vous connaissez les grandes lignes, de toute façon, si on est honnête, de ce qui est envisagé. Vous avez une idée de ce que sont les montants et la volonté que dès le PLF 2024, donc dans quelques mois, nous puissions commencer à débattre de cette question. Merci. Alors, je vais demander à mes collègues qui souhaitent poser des questions. Jean ? Après Florence, Louis-Jean. Monsieur le ministre, je pense que on ne fait pas de petites économies. Tout est bon à prendre. Aujourd'hui, on sait que la forêt participe grandement à la qualité des eaux, mais aussi que les arbres pompent énormément et évaporent cette eau. Il y a sur Grimaud une société, la Société des eaux atmosphériques, qui aujourd'hui a mis en place un process qui permet, à partir de cette humidité qui est dans l'air, de récupérer de l'eau qui aujourd'hui est brute, et ils sont en train de finir les analyses pour démontrer qu'elle est potable. Donc ça peut être un secours pour les communes qui aujourd'hui sont en manque d'eau et sont alimentées par des bouteilles d'eau. Donc un système comme ça, alors, ça peut se développer sous plusieurs formes. Aujourd'hui, leur modèle, c'est un caisson qui produit 5000 litres jour. Mais bon, ils peuvent l'augmenter et ils ont un projet de capacité d'embouteillage d'eau de 50 000 bouteilles au jour, donc la possibilité de produire pas mal d'eau. Voilà, une solution. Je ne sais pas si vous la connaissiez, donc à la limite, voilà. Et puis, une question qui me tarabuste depuis longtemps. Quand on produit des énergies renouvelables,
que ce soit de l'éolien ou du photovoltaïque, on ne produit pas toujours cette énergie au moment où on a besoin de la consommer. Dans certains secteurs, alors c'est peut-être pas généralisable, mais dans certains secteurs comme le Verdon, où il y a une succession de barrages, il y a 5 barrages successifs, il est possible, et les barrages, certains en sont équipés, avec une turbine inverse, de remonter l'eau dans le barrage. L'idée serait qu'au moment où on produit cette électricité qui n'est pas nécessairement consommée, l'envoyer au barrage pour remonter de l'eau, de façon à ce que le barrage reproduise l'électricité avec cette eau au moment où on en a besoin. Aujourd'hui, techniquement, c'est tout à fait faisable. Réglementairement, ça ne l'est pas, parce que la CRE n'a pas défini les critères qui convenaient pour pouvoir qu'on puisse le faire. Alors, j'ai eu entre les mains les plaquettes de sociétés faisant effectivement de l'eau potable à partir de condensation avec plusieurs types de volumes, avec le fait que c'est d'ores et déjà déployé dans certains pays, en particulier plutôt en Afrique à la minute où nous parlons, et avec une étude scientifique dont je me souviens vaguement de la lecture il y a quelques semaines, mais qui disait qu'en gros, pour chaque degré de température supplémentaire, l'eau disponible augmentait de 7% par degré dans l'air en termes de concentration. Les chiffres sont à vérifier, mais je crois ne pas me tromper par rapport à cette publication que j'avais lue. La vraie difficulté, c'est que c'est très énergivore. Et donc que l'énergie qu'il faut pour être capable de produire une quantité d'eau de ce type est particulièrement importante. Et donc, si on se dit les choses, je suis très intéressé parce que ça pourrait typiquement être une bonne installation de secours pour des lieux qui se retrouveraient privés d'eau potable dans des circonstances estivales, mais ce n'est pas là-dessus qu'on peut faire évoluer notre modèle hors crise, en tout cas à ce stade. De la même manière que je serais extrêmement prudent sur les usines de dessalement d'eau de mer ou de désalinisation, qui elles aussi ont un problème de coût énergétique important, et qui, si elles sont mal réglées, peuvent amener de l'infiltration de l'eau de mer à l'intérieur des terres avec de la saumure qui contamine une partie des cultures au lieu d'amener l'inverse. Donc quand vous êtes à Mayotte, qu'il n'y a quasiment pas d'agriculture nécessitant une forme d'irrigation, que 85% de la consommation d'eau de l'île, c'est pour l'eau potable, que vous n'avez pas eu de saison des pluies, et que vous avez une population qui est deux fois plus élevée que ce pour quoi le réseau a été fait, examiner la possibilité d'aller ouvrir des usines de dessalement, c'est une question de vie, tout court. Quand vous êtes en France métropolitaine, à la minute où nous parlons, ça ressemble à une fausse bonne idée. Je ne dis pas partout, mais je dis que ça ressemble à une fausse bonne idée et je crois davantage à des solutions d'innovation technique. J'ai été invité à aller visiter cette société Grimaud, située à Grimaud, par des parlementaires de cette maison, et donc je vais considérer que si j'y vais, j'aurai l'occasion de vous joindre à cette liste. De la même manière que je veux préciser que le sénateur Chevrolier m'a suggéré qu'on puisse regarder effectivement comment réutiliser l'eau des carrières, sur lesquelles il y a parfois des usages qui mériteraient d'être regardés. Et j'aime cette approche qui consiste à se demander s'il n'y a pas des gisements auxquels nous ne pensons pas, ou plus exactement des lieux ou des méthodes sur lesquelles il faut qu'on soit capable de se concentrer. Même si ce n'est pas la solution miracle, ça nous fait basculer dans un mode dans lequel on se demande comment on économise, et l'enjeu, il est crucial. Et donc si on est capable de passer d'une logique dans laquelle, en gros, peu importe, l'eau c'est infini, c'est renouvelable, on n'en manquera jamais, à une logique dans laquelle on se dit quelles sont les alternatives qu'on est capable de trouver, on a déjà gagné une part de la bataille culturelle dont on a besoin. Donc merci pour ces témoignages et pour ces présentations, et je vous dis, cette visite est dans les tuyaux, sans mauvais jeu de mots. Florence. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué la sobriété à propos de l'agriculture notamment, mais elle va concerner également les particuliers. Et aller vers la sobriété, c'est déjà bien connaître sa consommation. Et on se rend compte, notamment dans les copropriétés, qu'un certain nombre de copropriétés n'ont pas encore de compteur individuel parce que voilà, l'Assemblée générale n'y est pas favorable. Donc, comptez-vous contraindre dans ce domaine-là? Et également, dans les territoires ruraux, les compteurs sont parfois relevés une fois par an. Donc, est-ce que vous pensez là aussi avancer vers de la
télérelève et à quelle échéance? Donc voilà pour la première question. Ensuite, vous avez évoqué la compétence, l'évolution de la compétence eau, c'est-à-dire de son transfert obligatoire aux intercommunalités. Je vous avoue que lorsqu'on rencontre les élus, ils s'interrogent beaucoup là-dessus, sur les options que vous envisagez. Donc, est-ce que vous pourrez nous en dire un peu plus? J'ai bien entendu vos propos qu'un captage unique est risqué parce qu'il peut faire l'objet de pollution diffuse. Il faudra développer les interconnexions. Donc, est-ce que l'État va accompagner les collectivités sur les interconnexions? Et par ailleurs, sur la protection des captages, je pense quand même que l'idéal, c'est à peu près, je crois, 3% des surfaces agricoles, que ces captages soient le moins pollués possible. Donc, comment pensez-vous, mon collègue a évoqué les captages prioritaires, il y a eu deux vagues de 500 captages prioritaires sur 35 000, c'est bien peu. Donc, comment pensez-vous, là aussi, accompagner l'agriculture vers une politique de captage, finalement, avec un risque de pollution diffuse très faible, voire zéro? Je vous remercie. Alors, voilà des questions variées sur lesquelles je vais essayer, là aussi, de vous répondre de la manière la plus précise et la plus sincère qui soit. Je commence par la fin. Je ne voulais pas évacuer la question des captages en disant qu'on en aurait de plus en plus. Je voulais poser la limite qui consiste à dire qu'à un moment, de toute façon, dans le plan, il y avait cette capacité à doter chaque captage d'un plan qui nous permette de savoir à quel moment on l'arrête et que ce ne soit pas aléatoire ou divers en fonction des secteurs. L'enjeu, c'est bien d'accompagner des évolutions vers de l'agriculture biologique ou vers de l'agroécologie sur ces points de captage. C'est dans le plan, ça fait partie d'un financement qui est dédié, qui représente plusieurs dizaines de millions d'euros complémentaires. En moyenne, on est déjà de l'ordre de un peu moins de 10% des moyens des agences de l'eau, 200 millions d'euros sur le 2,5 milliards que nous dépensons, qui sont fléchés sur cette lutte contre les pollutions agricoles, avec des succès. Mais en fait, on a besoin d'agir de tous les côtés. Il faut le garde-fou absolu, c'est le PGSE avec le préfet. Il faut la politique intermédiaire qui consiste à regarder comment on évolue vers des bonnes pratiques. Et puis, il faut le plan éco-phyto qui fait que, de toute façon, avant même de regarder comment on évolue, on a une politique nationale de diminution d'une partie d'intrants dont on connaît à la fin aujourd'hui une part de la nocivité. Et donc c'est bien toute cette chaîne sur laquelle on avance le 11 juillet, date si j'ai bien compris. Pourquoi est-ce que j'évoque le 11 juillet ? Eh bien c'est le jour où nous avons notre comité éco-phyto sous le patronage de la Première Ministre. C'est le jour du vote du règlement européen par le Parlement européen, en espérant, mais c'est un commentaire personnel qui ne soit pas à l'image du vote en commission hier. Et il se passe un dernier truc, mais ce n'est pas très grave. Bref, je ne sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Donc, pour finir de vous répondre sur les captages, il y a bien des moyens budgétaires qui accompagnent à la fois une réflexion nationale et européenne et un dispositif de suivi. Je remonte vos questions. Et donc, vous m'interrogez sur vers quoi on va. Le droit existant dit 2026, tout le monde à l'intercommunalité. Cette maison a pointé le fait qu'il y avait beaucoup d'hostilité en France sur le fait d'intercommunaliser la gestion de l'eau. À la minute où nous parlons, il y a 11 000 services gestionnaires d'eau potable en France. 11 000. Et bien que plus de la moitié des Français soit d'ores et déjà couvert par des services intercommunaux, on a une profusion qui engendre deux types de difficultés, parce qu'il y a une assez forte corrélation entre risque de rupture d'eau potable et taux de fuite et taille moyenne du service. Dans les 700 communes dont je parlais tout à l'heure, privées d'eau potable l'été dernier, c'est 500 qui se retrouvent à faire de la gestion isolée. Dans les 170 communes dont nous savons que les taux de fuite sont supérieurs à 50%, c'est 114 qui sont en gestion isolée. Et donc à la fin, on ne peut pas faire comme si on ne s'apercevait pas que quand on gère l'eau seul, forcément, une partie des travaux est plus complexe à conduire. Que l'État aide, oui, qu'il aide à réparer les fuites, qu'il aide à financer des interconnexions, bien sûr. On met même 180 millions d'euros annuels sur les 475 qui sont fléchés dans le cadre du plan pour lutter contre les fuites. Mais ça doit se faire
en ayant en face un minimum de garantie qu'on ne sera pas amené à y revenir. Et je vais dire les choses avec encore moins de pudeur. Ce sont souvent les endroits où le prix de l'eau est le moins cher qu'on fait un arbitrage qui consiste à ne pas faire les travaux pour ne pas augmenter le prix au détriment de la sécurisation de l'eau potable ou au détriment de la bonne gestion de la ressource. Je ne dis pas que plus l'eau est chère, mieux c'est. Je ne crois pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'elle n'est pas chère que c'est un indice de bonne gestion, à la différence de d'autres services publics. Et il y a des endroits, je pense à des territoires avec des topographies particulières, avec des densités très faibles et donc avec des longueurs de tuyaux qui peuvent être très importantes, qui nécessitent un soutien, une solidarité, mais à condition qu'on en ait pour notre argent en termes de sécurisation de l'eau potable, et c'est la question des interconnexions, et en termes de lutte contre les fuites, et là, c'est le bon état écologique et notre intérêt à tous. La PPL sénatoriale est arrivée à l'Assemblée. Elle n'a pas permis, dans une journée un peu particulière prévue par le groupe Liotte, d'aller au terme de son examen parce qu'elle avait été placée en sixième position dans la niche. Je me suis efforcé qu'elle remonte. Il y avait ce texte emblématique sur les retraites, mais il y en avait d'autres qui auraient nécessité qu'elle passe avant parce que pour nous, il y avait deux occasions. Un, tenir compte de la position exprimée par tous les départements de France dans leur diversité, de sécuriser la possibilité pour les départements de financer les interconnexions et d'accompagner les communes. Nous avons donné notre accord, c'est même de mémoire la mesure 35 sur les 53 du plan qui vous a été présenté et que vous pourrez retrouver. On n'a juste pas eu le temps de la faire voter, alors qu'il y avait un accord global de tout le monde. Et le deuxième, c'est de dire interdiction de la gestion en commune isolée, réautorisation entre guillemets de forme syndicale, avec un système tel qu'il a été voté en commission, parce que j'avoue pour le coup que je n'ai pas directement participé à ces discussions, c'est Dominique Faure au titre de la compétence de suivi des élus et qui était votre interlocutrice sur la PPL initiale qui l'a fait, qui consiste en fait à expliquer que ce serait, dans un processus dans lequel l'intercommunalisation ne serait pas remise en cause, la possibilité de rétrocession immédiate de la compétence aux communes pour qu'elles s'organisent de manière infra-intercommunale. Est-ce que ça peut se simplifier? Est-ce que c'est le bon système? Je ne trouve pas ça inintelligent, parce que ça permet de toucher les deux grands dispositifs et ça permet d'éviter de réautoriser les syndicats de manière sèche sans s'efforcer d'avoir une forme de travail de rationalisation. Et on touche l'objectif qu'on poursuivait au début. Enfin, sur la télérelève. J'aimerais vous remercier parce que votre questionnaire a effectivement pointé un sujet dont on ne parle pas du tout dans le plan. Et on sait qu'il y a une forme de responsabilisation qu'on en descend à une échelle individuelle. Les chiffres sont très parlants. 148 litres d'eau potable par jour et par personne. Un foyer français moyen, c'est 120 mètres cubes, mais le chiffre que je trouve le plus parlant, c'est bien celui par personne. Et je vous demande d'imaginer si on vous déposait le matin sur votre paillasson les 100 bouteilles d'un litre et demi correspondant à votre consommation journalière, les 99. Et que sur ces bouteilles, il y en a une qui était marquée pour boire, 4 qui étaient marquées pour préparer la nourriture, et qu'elles étaient toutes comme ça floquées avec ce à quoi elles servent. Et 20 bouteilles, par exemple, pour la chasse d'eau, je pense que ça vous ferait bizarre quand vous les rentreriez dans la maison et que ça inciterait à mesurer pourquoi limiter la durée d'une douche, faire en sorte de faire attention à tous les usages, ça a évidemment beaucoup de sens. Deux choses. Nous lançons dans les prochaines heures, puisque j'avais dit que ce serait la fin du mois de juin, l'application, plus exactement la plateforme numérique qui permettra à chacun de savoir quelle est la situation en tapant son adresse d'arrêté, de restriction, d'alerte qui le concerne. C'est crucial parce que les restrictions, elles arrivent à un moment où parfois les gens ne sont pas chez eux mais ils partent en vacances et où de bonne foi, ils ne lisent pas la presse locale, ils ne se renseignent pas sur savoir ce qui se passe. Et je vous rappelle que la maille n'est pas départementale. Vous pouvez avoir un arrêté préfectoral qui interdit certains usages sur un sous-bassin mais qui ne l'interdit pas à une échelle départementale. Donc, nous aurons, dans les prochaines heures, j'aurai la joie de présenter ce dispositif. Deux, et tout est lié, ce site rappellera les bonnes pratiques et on va faire en sorte qu'il soit interconnecté avec l'application de Météo France. L'enjeu, en fait, serait qu'à terme, quand vous vous renseignez sur la température, vous ne vous réjouissiez pas seulement qu'il y ait du soleil, mais que ça vous permette de savoir ce qu'est la situation où vous êtes de l'eau, avec une attention particulière à ces gestes pendant cette période. Nous ne pouvons pas, ou en tout cas je n'envisage pas à la minute où on se parle, de contraindre les collectivités locales qui sont les services gestionnaires de l'eau à rendre obligatoire l'existence de compteurs uniques. J'en comprends parfaitement l'intérêt,
Le dispositif qui consisterait à penser que c'est à l'État de se substituer à la responsabilité des collectivités locales et encourager une bonne pratique ne me semble pas être une bonne idée. Mais pour ne rien vous cacher, il y a un moyen qui pourrait le permettre. Quand le président de la République évoque, qui ne serait pas illégitime, qu'il y ait une tarification progressive, si quand vous dépassez un certain nombre de mètres cubes, le prix de l'eau augmente, vous avez intérêt à fractionner en autant de compteurs qu'il y a d'appartements une propriété collective pour ne pas vous retrouver avec un prix moyen de l'eau qui est plus élevé. Et c'est donc un système qui serait responsabilisant, qui pousserait entre guillemets à cette bonne pratique, sans pour autant modifier la règle et se demander de comment on gère. La télérelève, j'y suis hyper favorable. Je l'ai fait en tant que patron d'intercommunalité, y compris parce que ça permet, pour l'agglomération que je connais et pour la communauté urbaine d'Angers, de pouvoir prévenir les gens quand il y a des niveaux de consommation anormaux, sans attendre la relève, et donc d'avoir une capacité à relever des fuites en cours de route et d'aider les gens à éviter d'avoir une facture qui dérape. Donc la télérelève, elle a aussi ce mérite en termes de suivi. Merci, monsieur le ministre. Louis-Jean de Nicolaï. Merci. Merci, monsieur le ministre. Moi, j'ai deux questions. La première, en effet, 140 litres d'eau par habitant, c'est 35 milliards de mètres cubes d'eau qui, chaque année, sont pompés en France pour l'ensemble des personnes. Mais quoi ? 3,5 milliards, pardon, j'étais un peu, oui, 3,5 milliards, oui, oui. Oui, là-dessus, mais est-ce que sur l'électricité, par exemple sur l'énergie, on a vu qu'on avait fait 10% d'économie sur l'année 2022, je crois. Est-ce que vous fixez aussi sur l'eau des pourcentages de diminution de consommation globale pour savoir si on est dans la bonne direction? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, que va devenir GEMAPI? GEMAPI, c'est pour les inondations. Dans toute une partie du territoire, ce n'est plus le problème des inondations aujourd'hui, c'est plutôt le problème de la sécheresse. Est-ce que GEMAPI, qui est déjà au niveau des comités de communes en ordre de marche, peut servir à quelque chose? On expliquait que les haies étaient en train de diminuer alors qu'il fallait en augmenter. Est-ce que des retenues d'eau peuvent être plus intéressantes que de les laisser partir vers d'autres, notamment la mer? Est-ce qu'il y a un avenir pour cette taxe GEMAPI et cette organisation au niveau des comités de communes, ou c'est quelque chose de plus qui servira uniquement pour les inondations et une taxe supplémentaire? Alors, je réalise que et le président Pointreau et Hervé Gillet ont évoqué effectivement ces questions de trajectoire et de sobriété et de comment on allait les renseigner. Et donc, je merci de reposer la question de comment est-ce qu'on va faire ces 10%. On ne s'est pas contenté de fixer un objectif. On a souhaité qu'il puisse être décliné par bassin. Parce que quand vous dites ça vaut pour tout le monde sans préciser qui ça concerne, le risque, c'est que tout le monde se dise que c'est d'abord à son voisin de faire des efforts. L'enjeu de cette identification des 4 milliards de mètres cubes par rapport aux 33 dont nous souhaitons éviter le prélèvement, on demande à chaque comité de bassin pour la fin de l'année de nous indiquer les perspectives qu'il pourrait utiliser. C'est l'augmentation de la part d'irrigation. C'est une mesure spécifique qui va avoir lieu sur les 50 sites les plus consommateurs d'eau au niveau industriel, un peu sur le même modèle que ce qui a été fait pour les émissions de gaz à effet de serre. On prend les plus visibles et les plus emblématiques parce que ça entraîne un mouvement et c'est spectaculaire les économies que vous pouvez réaliser quand vous mesurez qu'il faut économiser l'eau. Et les chiffres auxquels arrivent des industries qui réfléchissent à des modèles qui sont plus économes. Il y a plein d'exemples, ce n'est pas du tout ma compétence, mais je dois dire que j'ai été très surpris devant les exemples qui m'ont été présentés au fur et à mesure du temps. Et donc ces trajectoires, elles ont vocation à être présentées pour la fin de l'année par comité de bassin, et c'est ce qui explique à la fois l'argent que nous mettons, les délais qui sont donnés et les perspectives de relèvement et d'évolution. Au milieu de tout ça, plein de questions, y compris certaines que vous avez évoquées. La gestion des inondations, elle n'est pas moins utile. Je crains même qu'elle le soit davantage. Puisque quand on dit que le volume d'eau qui tombera sera le même, la particularité c'est qu'il aura tendance à se concentrer avec des épisodes qui seront plus violents et qui pourront provoquer davantage d'écoulements ou davantage de difficultés qui nécessiteront d'être capables d'intervenir. Donc aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, il nous faut gérer les sécheresses et les inondations. Le dérèglement climatique, ça n'est malheureusement pas quelque chose de romantique qui consiste à pouvoir se passer d'un petit pull l'été et à rester plus longtemps torse nu l'été.
c'est au printemps et l'été, c'est vraiment une amplification des phénomènes extrêmes qui n'ont rien d'agréable, que ce soit les sécheresses, que ce soit les cyclones sur certaines parties de notre territoire, et que ce soit donc ces épisodes pluvieux extrêmement importants. Quand je dis ça, ça pourrait militer à ce moment-là pour qu'on se dise, s'il tombe plus d'eau à certains moments, pourquoi ne pas la retenir de manière à pouvoir trouver des alternatives à une partie de ce que nous sommes en train de faire. Alors, et puis vous avez également évoqué la question plus large, et je vais peut-être commencer par celle-là, de la production d'électricité en revenant sur les épisodes que nous connaissons, et ça va être l'occasion pour moi de vous dire trois choses. Je vais commencer par ça. 2022 a été une année singulière parce que non seulement on avait ces problèmes de corrosion sous contrainte dans notre parc nucléaire, mais on s'est retrouvé en plus à cause de la sécheresse avec un niveau de production hydroélectrique qui a pénalisé notre mix énergétique global. Ce qui est vrai hier l'est aujourd'hui. À la minute où nous parlons, 68% de nos nappes phréatiques sont en dessous des normales de saison. La sécheresse hivernale que nous avons connue est venue accentuer les difficultés qu'on avait eues l'été dernier. On a eu la chance d'avoir de la pluie globalement en avril, en mai et une partie du mois de juin, de manière très inégalement répartie, et qui a moins rempli les nappes puisqu'elle est arrivée dans un contexte où les températures étaient plus élevées, où la végétation avait davantage besoin, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire. Néanmoins, on a une situation aujourd'hui qui est plutôt bonne, en particulier en Bretagne, et pas mauvaise sur une large partie des pays de la Loire, qui est très inquiétante sur le pourtour méditerranéen, sur la vallée du Rhône, qui concentre une partie de nos capacités hydroélectriques, et qui, compte tenu de la sécheresse express que nous avons vécue dans une partie du Nord et de l'Est, conduit à ce que les choses ne soient pas totalement derrière nous et à ce qu'on soit extrêmement vigilant. Et donc, dans ce contexte, cette question de l'hydroélectricité, elle est évidemment elle est cruciale. Et j'attire votre attention sur le rapport de la Cour des comptes qui a été remis au Sénat sur le coût de l'adaptation au changement climatique des centrales nucléaires, en particulier sur la partie eau et sur les évolutions éventuelles entre les circuits ouverts et les circuits fermés qui permettraient de moins dépendre pour des productions électriques du niveau moyen des températures avec les histoires habituelles de rejet. La question de l'hydroélectricité, un jour, pourra aussi amener à se pencher sur des projets qui doivent sans doute être revus à l'aune de ce que nous connaissons. Je pense à l'étang de Berre, où on a une pollution à l'eau douce, vous avez bien entendu, qui a conduit le juge à demander à EDF de diminuer sa production d'hydroélectricité pour limiter le relâchement d'eau douce dans un étang d'eau salée. Lire ça aujourd'hui, même si je ne conteste pas la réalité de la pollution à l'eau douce, en mesurant qu'il y a quelques années seulement, 5 ou 6, l'idée c'était de se demander comment l'eau douce issue du circuit d'hydroélectricité, on pouvait plus vite la jeter dans la mer, alors qu'on n'est pas loin de la plaine du Croc, avec des enjeux énormes pour la Camargue en termes de production agricole, voire même qu'on pourrait imaginer un système dans lequel on remonte cette eau pour qu'elle refasse tourner une deuxième fois une partie de nos centrales hydroélectriques, pour reprendre l'exemple de Jean Batchy. Bref, on voit le champ des possibles et les domaines dans lesquels il faut qu'on soit capable de travailler. J'arrive aux retenues, parce que je ne veux pas perdre le fil. On a environ 15 milliards de mètres cubes de retenues dans ce pays, sous plein de formes. Le débat autour de quelques grands projets très limités ne doit pas faire oublier d'abord toutes les retenues multi-usages. La vérité, c'est que dès qu'on a en même temps un usage agricole, un usage touristique, un usage à des fins de faune et de flore et de biodiversité, le niveau des polémiques n'est pas le même. Il faut aussi reconnaître qu'une vieille retenue est une bonne retenue et qu'une retenue récente, elle suscite davantage d'émotions. Il n'y a pas de meilleure retenue que les nappes phréatiques. Les retenues ne nous dispensent pas de nous poser la question de la sobriété parce qu'à la fin, il n'y aura pas de solution miracle qui fait qu'on pourra poursuivre comme avant. Et l'Espagne doit quand même nous alerter. Ils ont misé à fond sur les retenues. Après avoir misé sur les retenues, ils ont pompé dans les nappes, et pas seulement dans les nappes de surface, mais même dans des nappes quaternaires. Et je pense qu'il y aura des lendemains qui déchantent, compte tenu du fait qu'ils ont en plus multiplié des productions de maraîchage qui sont extrêmement consommatrices en eau. Donc tout est lié. Mon niveau de consommation en eau, tenir compte des sols, etc. Comment on fait pour répondre du coup à la question que vous me posez? Je ne pense pas qu'il y ait une réponse nationale satisfaisante. Je pense que les réponses, elles sont à regarder territoire par territoire, avec l'appui des scientifiques. Et j'assume de dire que quand j'ai un sous-sol karstique, c'est-à-dire des nappes phréatiques qui ne retiennent pas l'eau mais qui sont fuyantes, pomper dans une nappe fuyante, c'est comme pomper dans de l'eau qui ne reste pas et qui va plus vite à la mer. Si je pompe de l'eau qui va à la mer, on peut discuter.
Si je pompe de l'eau qui est censée être dans une nappe et donc protégée de l'évaporation et de l'évapotranspiration par le sol, ça n'aurait pas de sens de la mettre en surface. Donc il faut qu'on tienne compte de ça. Les 4 degrés à la fin de ce siècle et la réalité de ce qu'est déjà le changement climatique avec une hausse moyenne de 1,7 degré par rapport à l'ère pré-industrielle que nous connaissons nous conduisent à faire évoluer les modèles. En gros, jusqu'à maintenant, c'est Explore 2070 qui est le nom de code du programme de simulation qui nous permet, sur la base des anticipations en termes de température, de déterminer vers quoi on va. En annonçant les 4 degrés, en parallèle, nous sommes en train de travailler sur Explore 2, qui, je pense, sera disponible environ dans un an, et qui permettra d'aller modéliser avec des évolutions de température plus élevées que celles que nous connaissons, de refaire tourner, si j'ose dire, les modèles dont nous parlons pour une partie des projets. Parce qu'une partie de la polémique qui a eu lieu dans les Deux-Sèvres, elle a été de dire « oui, mais les données ne sont pas actualisées ». Ce sont les seules données scientifiques qu'on connaisse, et par définition, elles ont été établies entre 2006 et 2011 sur des projections qui étaient celles de l'époque sur l'évolution des températures. Donc nous faisons évoluer le modèle, mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas faire des prévisions au doigt mouillé ou en écoutant ceux qui sont militants, mais d'essayer de construire un outil qui s'appuie sur la somme de ce qui est disponible en termes de compétences. Et ce sera le juge de paix. Parce que globalement, il y a des endroits où c'est justifié, il y en a où ça ne l'est pas. Est-ce qu'on est sur du collinaire ? Même le collinaire n'est pas forcément justifié. Dire que vous retenez de l'eau de pluie, ça dépend où elle va, si elle alimente. C'est évidemment, ça heurte moins l'esprit que d'imaginer des dispositifs de pompage. Mais il ne faut pas parer les vertus de tous les bassines ou les retenues de tous les maux, mais il ne faut pas non plus les parer de toutes les vertus. On est vraiment sur des choses qui sont à regarder en fonction de la réalité des sols et des besoins et qui ne dispensent pas des autres efforts et trajectoires de sobriété. Merci, M. Millis-Sylviane. Et ensuite, Sylvie Robert. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'aurais souhaité rebondir sur la question des barrages hydroélectriques et notamment sur la mise en concurrence voulue par les instances européennes. Vous le savez, ils n'ont pas qu'une vocation de production d'énergie, mais ils jouent également un grand rôle dans le soutien à l'étiage, l'agriculture, la pêche, les sports en eau vive, les refroidissements des centrales. Et cette mise en concurrence à venir préoccupe grandement les élus de la montagne qui redoutent un morcellement du marché et une moindre efficience des missions données à l'ensemble de ces barrages hydroélectriques dont l'exploitation est aujourd'hui assurée à 80% par EDF. On sait que certains de nos partenaires européens ont réussi à s'exonérer de cette réglementation. J'aurais souhaité connaître l'avis de la France. Je vous remercie. Je pourrais m'abriter sur le fait qu'il s'agit quand même d'un sujet qui relève davantage de la transition énergétique, puisque c'est la question directe de la production d'électricité. Il ne vous a pas échappé qu'évidemment, depuis 2015, remarques, précontentieux, procédures, 2019, etc. Et le projet Hercule, qui a tant fait parler de lui, et qui consistait à regarder s'il n'y avait pas matière à faire évoluer une partie du statut d'EDF, il visait pour partie à répondre à ces critiques en imaginant qu'on pourrait isoler dans une quasi-régie les activités d'hydroélectricité d'EDF de manière à respecter l'esprit et surtout la lettre du droit européen. Ce que je peux dire à ce sujet, parce que finalement depuis 2022 le sujet n'a pas réellement bougé, la position de la France elle est simple, il faut qu'on continue à miser sur notre hydroélectricité, on est attaché à notre modèle et nous préparons le plan qui nous permette si... Bruxelles doit continuer à durcir ses positions, de montrer que nous y répondons sans partir sur des ouvertures à la concurrence qui nous semblent hasardeuses, compte tenu des niveaux d'investissement. C'est difficile d'être plus précis à ce stade, et je précise pour ceux qui auraient eu l'attention nécessaire au moment des questions au gouvernement, de dire que quand j'ai fait cette réponse sur l'avis du Conseil d'État concernant les sociétés d'autoroute à Olivier Jacquin, il y a environ... une heure et demie de cela. Quand le Conseil d'État dit qu'une imposition pour les sociétés d'autoroute devrait conduire à ce que toutes les concessions délivrées par l'État soient considérées comme une catégorie homogène, il y a en fait trois catégories de concessions par l'État. Il y a les autoroutes qui représentent les trois quarts, à la fois du chiffre, de la valeur, etc. Il y a les aéroports
dans une moindre mesure, et il y a l'hydroélectricité. Madame Sylvie Robert. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais revenir sur la réponse que vous avez faite à notre collègue Florence Blatrix-Conta sur la question de la tarification progressive au social et les compteurs individualisés dans les copropriétés. Vous avez répondu, finalement, c'est au regard de pratiques plus vertueuses qu'ils s'apercevront que ce sera peut-être plus utile et plus efficace d'installer ces compteurs. Je suis à moitié satisfaite de la réponse. Pour être dans un territoire qui applique cette tarification depuis de longues années, je peux vous dire que les résistances sont encore fortes et que l'installation dans les copropriétés sont difficiles pour des questions de moyens, pour des questions qui relèvent aussi de pratiques qui aujourd'hui ne sont pas... en tout cas légion. Est-ce que vous iriez quand même jusqu'à pouvoir contraindre par la loi à ce que on puisse installer des compteurs individuels dans des copropriétés ? Je suis à Rennes, métropole. On fait depuis très longtemps. Je peux vous dire qu'il y a, je le dis parce qu'il y a une sensibilisation, une acculturation de tous les acteurs à cette question-là, et je dois. Mais ça évolue très très lentement, malgré toute la prise de conscience que l'on a, des questions, quantité, qualité, vous voyez, c'est pas si évident que ça. Donc je revenais un peu pour savoir si on pouvait aller plus loin, bon. Ou en tout cas ce que vous en pensiez, c'est tout. Alors, voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vais commencer par une confidence. J'ai ce week-end, pas pour me détendre, mais parce que je pense que le local et le national sont liés, comparer un certain nombre de politiques d'eau, de collectivités territoriales pour puiser des idées pour ma propre collectivité. J'ai été marqué par ce que vous faites à Rennes en termes de soutien à l'installation de récupérateurs d'eau de pluie. Et c'est un exemple parmi d'autres. Il y a Dunkerque qui se positionne également de manière efficace, mais avec des vraies politiques de soutien. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai demandé à mes services, aux services de la collectivité dont je suis un simple membre, mais où j'ai gardé quelques amis d'avant mon accession au gouvernement, de regarder comment pousser des mesures que je crois utiles pour les gestionnaires de ces réseaux. Et ce qui fait le plus économiser de l'eau, ce n'est pas le compteur individuel. C'est les kits, par exemple, de mousseurs. C'est les économiseurs. Oui, je dis ça juste pour objectiver le débat et pour que vous sachiez qu'on peut se concentrer sur les compteurs. Mais en vrai, ce qu'on souhaite, ce n'est pas que la facture soit mieux répartie. C'est qu'on consomme le moins possible. Et donc, pour consommer le moins possible, sauf celui qui, parce qu'il paye trop cher, déciderait de baisser sa consommation. Mais les gens sont rares. En fait, on est dépendant d'une durée psychologique d'eau qui coule pour mouiller sa brosse à dents, se laver les mains, faire un certain nombre de choses. Et dans beaucoup de cas, ce n'est pas la quantité d'eau qui compte pour nous, c'est le temps pendant lequel le robinet coule. Donc, dans les évolutions des gestes, là, on a un gisement objectif sur lequel on peut avancer. Premier sujet. Deuxièmement, la question des compteurs, en fait, elle a été longuement évoquée dans la préparation du plan. Et à la fin, pour la raison que je viens de vous décrire, le Comité national de l'eau a émis un avis défavorable à son inclusion dans le plan. En disant quoi ? En disant, c'est de la responsabilité des collectivités locales. Et donc, si on est attaché à la libre administration, jusqu'où on doit aller dans la précision du service ? Tout s'entend. Je vous exprime. Parce que les 53 mesures, je le redis, on aurait pu en faire davantage, on aurait pu en faire moins, je ne dis pas qu'il ne faudra pas revenir sur certaines. À ce stade, on a considéré qu'il fallait faire confiance et que la bataille prioritaire, c'était pas celle sur l'individualisation des compteurs, c'est celle sur la diminution de la consommation et donc plutôt regarder sur les kits et des dispositifs de ce type sur lesquels il pourrait y avoir d'autres initiatives de prise plus tard. Voilà pour faire simple. Là où nous en sommes. Je ne veux pas faire semblant de vous dire que je suis en total désaccord avec vous. Ce serait faux, mais je ne peux pas non plus déjuger, pour être clair, un consensus qui a abouti à ce qu'on considère que ça n'était pas dans les priorités. Et tant mieux si on a des collectivités locales qui vont plus loin. Et on donne le moyen d'aller plus loin. Si vous dites que le 121e mètre cube coûte plus cher que le 119e, par définition, vous avez intérêt avoir autant de compteurs qu'il y a d'appartements, puisque c'est 120 en moyenne
par foyer et vous remplissez plusieurs objectifs d'un même coup, faire davantage contribuer ceux qui ont des jacuzzis ou des piscines ou qui font moins attention à leur consommation et pousser à une individualisation. Merci, Monsieur le ministre. Alors, Christina Pluchet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, oui, peut-être une intervention pour garder quand même un point de vigilance sur l'agriculture. Parce qu'effectivement, depuis un certain temps, on fait porter sur le monde agricole tous les maux de la planète. Et récemment encore avec ce magnifique rapport de la Cour des comptes. Donc je pense qu'effectivement, on a quand même un certain nombre de rapports depuis un certain temps, oui, qui sont toujours très à charge envers notre modèle agricole, alors même que je pense, et je suis même presque sûre, qu'il est un des plus propres au monde. C'est pour ça que je pense qu'il faut maintenant être prudent. On a quand même un monde agricole qui est un petit peu fatigué par tout ça, qui a été très fragilisé ces dernières années par le changement climatique. Vous parlez du réchauffement, changement climatique, oui, c'est un phénomène qui ne date pas de 2022, qui date plutôt même depuis 2015. On a quand même effectivement des phénomènes, des excès, on va dire, on a récurrents, des excès qu'on avait l'habitude de voir tous les 10 ans, qui sont maintenant à peu près, qu'on a tous les ans ou tous les deux ans, en fait. Effectivement, ça, c'est une certitude. Cela étant dit, effectivement, il ne faut pas taper sur les gens qui nourrissent. On a besoin de nos agriculteurs. Et je pense que maintenant, il faut arrêter les restrictions sans compensation. On a eu les ZNT il y a quelque temps. Là, on parle des zones de captage. Même pour, effectivement, les agriculteurs biologiques et qui sont en bio, il y a un certain nombre de restrictions qui sont difficilement soutenables. Voilà. Donc, je tiens, effectivement, à vous alerter là-dessus. Le monde agricole est fatigué par tout ça. On lui fait peser tous les maux de la planète. Et alors même que ce sont des gens qui s'investissent énormément, 7 jours sur 7, pour nous nourrir. Voilà. Vous savez, madame la sénatrice, dans ma vie, j'ai eu la grande chance de siéger pendant un peu moins de 2 ans à la commission agricole du Parlement européen. Avec monsieur Le Foll, monsieur Beauvais et monsieur Dantin. J'ai été le président d'un département qui est le deuxième pour le renouvellement des jeunes actifs et qui abritait jusqu'à peu de temps, à une quarantaine de kilomètres de l'endroit où j'habite, une femme qui était présidente du premier syndicat agricole de ce pays. Donc, il m'arrivait assez souvent d'être ambiancé par ce monde agricole, à la fois sur la réalité, sur son épuisement et sur un certain nombre de sujets. Et moi, je peux vous assurer d'une constance et d'une grande cohérence. Une partie de nos politiques écologiques, elle repose sur une hypocrisie qui consiste à durcir les règles ici, mais à continuer à faire venir des produits qu'on importe, avec ou des conséquences en termes de réglementation environnementale ou des conséquences en termes d'émissions qu'on n'accepterait pas chez nous. Et donc, le sujet, ce sont les clauses miroirs et ce qui est vrai demain, globalement, sur les émissions de gaz à effet de serre. Il faut qu'on le systématise dans d'autres domaines. Si on ne le fait pas, si on réglemente la taille de nos élevages, en considérant qu'on a un sujet de bien-être animal au-delà, que ça a des conséquences, mais qu'on laisse de la viande arriver du bout du monde sans impliquer les mêmes règles, avec l'accélération de la déforestation dans certaines parties du monde qui aggrave en plus la difficulté et en se privant des recettes économiques qui sont liées à des activités qui nous permettent d'aller financer une transition qui soit solidaire et juste, mais pour laquelle il faut d'abord gagner de l'argent avant d'être capable de le dépenser, on aura un sujet. C'est vrai dans plein de domaines. Ça l'est pour la gestion de la forêt, pour la sylviculture au sens large, sur lesquels, quand on ouvre les yeux et quand on regarde, des choses ont été dites effectivement sur les besoins, mais on sait qu'on a aussi un besoin de captage de carbone et de stockage dans les sols d'une partie de ce qui permet de faire le reste. Ça l'est pour les productions agricole quand il s'agit de se nourrir et quand on voit le nombre de domaines dans lesquels nous sommes importateurs, je peux vous assurer qu'on n'a pas fait un plan dont l'objectif serait de se demander comment alimenter la baisse de l'agriculture. Et je vais terminer sur un point. Tout lien avec un rapport récent de la Cour des comptes étant évidemment fortuit. L'eau incite quand même à se poser la question de savoir si tous nos espaces agricoles doivent être cultivés et à quel point l'élevage n'est pas aussi un moyen d'aller rendre service à ce cycle de l'eau en faisant en sorte qu'on ait des endroits qui stockent et qui ne nécessitent pas une irrigation ad hoc. Parce que si je remplace une prairie
par une terre irriguée ou cultivée, mon besoin n'est pas le même. Et donc, il faut aussi qu'on soit capable d'intégrer tout ça. Je ne vais pas faire un truc avec une table de trois en deux minutes. Je dis juste que, encore une fois, l'agriculture, c'est une partie des solutions dont on a besoin pour être capable de boucler tout ça. Merci. Moi, j'ai deux ou trois questions à vous poser. Une première sur les problèmes de financement, notamment des agences de bassin. Moi, quand on nous a dit que l'OFB allait être géré par les agences de l'eau, enfin intégré, je m'étais un petit peu mis en, pas en colère, mais ça m'avait quand même soulevé quelques émotions sur le financement, parce que l'agence de l'eau, avec déjà le plafond mordant, a un certain nombre de difficultés pour financer un certain nombre d'opérations, dont les canalisations fuyantes. Est-ce que vous pensez qu'on ne pourrait pas trouver une solution pour que l'OFB puisse trouver d'autres financements extérieurs aux agences de bassin? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est sur une expérience que j'ai vécue la semaine dernière sur mon territoire, dans mon canton, où on a vécu un accident climatique qu'on n'avait jamais vu et que j'ai craint qu'on le retrouve régulièrement. On a eu à peu près 100 mm d'eau en une heure, avec de la grêle et une tornade, type comme on voit maintenant aux États-Unis. Moi, je n'avais jamais vu ça, qui a emporté tout un village et une partie de forêt. Et on a fait le calcul avec la Chambre d'agriculture. On a reçu 1 million de mètres cubes d'eau en à peine une heure. Donc c'est toute cette eau, elle a peu pénétré et elle est partie directement dans la rivière, dans les ruisseaux, et elle est partie à la mer directement. Comment ? Avec une partie du limon, plus 60 hectares qui ont grêlé de vignes où il n'y a plus rien. Enfin, c'était assez, c'est vraiment un cataclysme qu'on n'a jamais vu chez nous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faut qu'on s'adapte, bien sûr, à ces épisodes qu'on va retrouver. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait intéressant d'étudier la mise en place de bassins d'orage multi-usages qui permettraient à la fois de, pour l'eau des services de la ville, pour les services incendie, pour éventuellement l'irrigation? Parce qu'on va retrouver, à mon avis, ce genre de phénomène régulièrement, et c'est de l'eau qu'on pourrait capter en quelques heures. Hein. Est-ce que c'est une solution? Et puis, dernier point, moi, je voudrais savoir quel était le point ou quels étaient les sujets qu'on a oubliés dans les 53 mesures. Parce qu'on a, comme on va déposer notre rapport le 11 juillet, on pourrait très bien imaginer s'inspirer de deux ou trois sujets que vous avez pu oublier dans vos 53 mesures, que nous, on a peut-être pensé, parce qu'il y a un certain nombre de sujets qu'on va... Il y en aura des nouveaux sujets, mais est-ce que vous avez des sujets que vous auriez aimé évoquer dans les 53 mesures qui ont été oubliées? Merci, Président, et au-delà de vos questions, merci pour cette invitation, pour la possibilité que j'ai eue de pouvoir répondre aux questions de votre mission d'information. Je ne sais pas pour les bassins d'orage. Je vais être honnête avec vous. Ce qui me perturbe, c'est qu'il faut qu'ils soient mis au bon endroit, le territoire sur lequel ça tombe. Voilà, donc j'entends. Je pense que ça fait partie aujourd'hui des questions pour lesquelles on a aussi besoin de réponses et de continuer à modéliser une partie de ces éléments. Je trouve comme ça l'idée plutôt intelligente, je le dis. Quel dimensionnement, quelles conséquences, quels fonds? Est-ce que si on les bâche, ça n'a pas aussi quelques incidences sur la perméabilité? Bref. Et du coup, quelles règles aussi de relâchement éventuel si ils sont remplis à certains moments? Enfin, bref, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être creusé. Pour le spécialiste que vous êtes, Monsieur le Président, je comprends que le financement de l'OFB vous ait heurté, à vrai dire, sur une question de principe. Parce qu'avant, on avait tendance à dire que l'eau paye l'eau. Et des phrases simples qui permettent de s'inscrire dans un bon sens paysan, pas seulement du Cher, mais de tout notre pays, ça a évidemment beaucoup de sens.
En vrai, l'eau et la biodiversité sont très liés. Est-ce que si c'était à refaire et que j'étais celui qui était en charge, je proposerais ce mode de financement ? Je n'aurais pas la prétention de répondre. Ce que je crois, c'est qu'on a devant nous des enjeux de financement de la biodiversité sur lesquels je ne proposerais pas qu'on s'appuie à nouveau sur ce circuit. Mais l'idée qu'une partie des ressources de l'Office français de la biodiversité s'appuie sur l'eau, même si elle heurte ce principe et cette maxime, elle dit quelque chose de vrai. C'est qu'on a besoin, pour notre biodiversité, d'avoir une relation étroite entre les agences et l'Office français. C'est lui qui est chargé de vérifier le respect des arrêtés qui sont pris sur la base de ce qui se passe. C'est lui qui fait en sorte de s'assurer du bon écoutement et du bon suivi. Et donc, je vous ferai une réponse qui n'est pas une réponse de Normand, mais qui consiste à dire, il y a un état du droit que je n'ai pas remis en cause. Les nouveaux financements ne s'appuient pas là-dessus, n'augmentent pas les moyens de l'OFB. Et la stratégie nationale de biodiversité qui vous sera présentée avant la fin de l'année, qui devra se traduire par des compléments de financement, ne puisera pas ces financements dans les agences de l'eau. On ne va pas faire du shadow. On n'est pas en train de dire on ajoute des crédits, mais on vous ajoutera des obligations. Là, que les choses soient extrêmement claires. Enfin, qu'est-ce qui manque ? Si j'avais eu la réponse à cette question le 29 mars, j'aurais fait en sorte qu'il ne manque rien le 30 au moment de la présentation. Avec quelques semaines de recul, on a peu parlé d'assainissement. Et les choses sont liées. Voilà la seule réponse que je consentirai. Je pense que vous serez capable d'en faire votre miel, peut-être y compris sur la question des eaux pluviales, en prouvant qu'on peut aller plus loin. Ce que je souhaite, si je peux formuler un souhait, mais ce ne sera qu'un souhait, il sera hors procès-verbal si vous le souhaitez. Il arrive parfois que la qualité des comptes rendus des missions du Sénat conduise à susciter des polémiques et des prises de conscience. Je pense que si peu de temps après la présentation du plan, nous avons besoin de quelques encouragements de ceux qui font preuve de sagesse et qu'on pointe les axes d'amélioration, mais que la quasi-totalité des acteurs qui ont travaillé en tant que masqués sur ce plan puissent être aussi encouragés dans ce qui est un vrai travail collectif. Je le redis, la fierté des agences, la fierté de ceux qui sont en première ligne, elle est ce qui m'importe, de regarder comment on le fait vivre. Tout l'enjeu pour moi entre maintenant et la fin de l'année, jusqu'au PLF, c'est que toutes ces actions, on les fasse entrer dans l'atmosphère et que les engagements qui ont été salués, ils soient suivis des actes. Il est arrivé par le passé qu'il y ait des plans qui soient célébrés au moment de leur lancement et qui, quand on se retournait, avaient fait l'objet d'un taux de réalisation ou de suivi qui ne soit pas totalement à la hauteur de ce qui avait été annoncé. Donc si votre rapport suggère ou décidait qu'il sera souhaitable de manière régulière de regarder où nous en sommes sur le suivi des engagements, ce serait aussi une manière de faire œuvre utile au lieu d'indiquer ce que pourraient être les engagements complémentaires, le 54, la 55, la 56e mesure qui pourrait être mise en œuvre. Un immense merci en tout cas pour... Mon collègue Hervé Gillet avait quelques compléments de questions. Ce sera très rapide pour respecter votre cadre en termes de temps. Une question peut-être simplement qui nous apparaît comme importante, notamment au travers des rencontres de terrain, notamment dans les Deux-Sèvres par rapport à Sainte-Soline, où objectivement, quand on a rencontré l'ensemble des acteurs, nous avons été marqués par la détresse, la dureté par rapport à la situation qui a été vécue vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. Et on s'est clairement aperçu que dans cette situation, même en relation avec les services de l'État, monsieur le ministre, il y avait quelque part une situation qui était bloquée et qui interrogeait sur la capacité à en sortir. Et c'est un sujet de fond, en fait, qu'on voit maintenant émerger sur d'autres sujets. Donc on voit bien que sur cette situation-là, il faudrait aujourd'hui une capacité de médiation qui neutraliserait les positions pour essayer et tenter de remettre un certain nombre d'acteurs autour de la table. Donc là, il y a une question de fond qui se pose. Et objectivement, nous ne pensons pas que les acteurs en présence, à l'heure actuelle, sont en capacité de le faire tout seuls, sincèrement. Ce qui amène à un sujet plus large, qui peut être intéressant. On a évoqué à un moment donné sur les concessions d'hydroélectricité, la Creux. Mais dans certains pays, il existe aussi une autorité de régulation sur l'eau, qui a aussi la compétence eau. Et compte tenu de la montée des enjeux aujourd'hui sur ces sujets-là, c'est un sujet qui mériterait une attention
bah, peut-être dans l'immédiat, mais qu'il y ait un chantier qui soit ouvert sur ce sujet-là, parce qu'il y a des questions de fond qui sont posées. Et ça renvoie ensuite à la qualification des médiations, de la médiation, que nous pourrions mettre aussi en place dans notre pays, où il existe aussi par ailleurs des garants de l'eau dans certains pays. Et cette notion-là, elle est aussi intéressante dans la capacité de mettre en place des médiations locales et territoriales. Qu'en pensez-vous ? On a inventé un modèle qui repose quand même sur des parlements de l'eau où on a tous les usagers. Globalement, nos agences, nos comités de bassin, quand on les compare et quand on regarde ce qu'on a été capable de traverser depuis des décennies, il faut être capable de leur rendre hommage. Je le dis parce que quand on objective et qu'on regarde. Et avec une idée, c'est que la même règle n'a pas forcément vocation à s'appliquer partout. Ce qui, dans un pays comme le nôtre, et vous êtes bien placé pour le savoir, n'est quand même pas l'évidence. Donc, si on avait sur un mouvement inverse, celui qui consiste à se dire qu'il faut faire preuve de davantage de centralisation dans le suivi, c'est ma petite inquiétude si on allait vers une CRO sur le modèle de la CRE, parce qu'il y a une différence énorme. Nous sommes interconnectés au niveau énergétique. Si notre capacité de demande dépasse notre niveau de production, le blackout, il est généralisé, il est pour tout le monde. L'eau, on peut avoir un territoire qui n'en a plus depuis 2 mois, et c'est le cas en France, et des territoires qui n'en manqueront pas de toute l'année. Donc cette idée d'aller créer une forme d'interdépendance entre nous qui susciterait le sentiment qu'on met en place un monstre administratif là où il n'y en a pas besoin, je ne suis pas sûr que ce soit ce dont on ait besoin dans le domaine. On a besoin de règles qui moralisent et qui permettent de montrer qu'il y a une forme d'éthique, mais tenir compte de la disponibilité qui a depuis toujours orienter une partie des usages, touristiques, agricoles, de mon point de vue, ça a du sens. Sur Sainte-Soline, je rencontre Thierry Burlot dans quelques jours. Et il me semble qu'il a partagé avec vous certaines pistes. Je n'irai pas plus loin si vous voulez bien. Il me semble que c'était prévu vendredi et que j'ai été contraint de le décaler au début de la semaine prochaine. J'entends vos remarques comme j'ai entendu celles du terrain il y a quelques semaines. Il y avait un temps aussi pendant lequel, par rapport à ceux qui avaient été blessés dans leur chair des deux côtés, donner le sentiment qu'il fallait se précipiter de tout réinterroger n'aurait sans doute pas été le plus judicieux. On entre dans un temps avec l'été qui est plus propice au fait de s'apaiser, de se demander ce qui est souhaitable pour l'avenir, de regarder en face les évolutions, et c'est ce que nous allons faire. Très bien, mais écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de tous les sujets. Merci d'avoir répondu à chacun. Et on va maintenant terminer ce rapport et on vous le présentera au plus vite, le 11 au juillet au soir. Il sera à votre disposition. Merci encore.